Découvrir, comprendre et agir pour une société plus pratique. Chaque jour, Télépacifique fait le zoom sur un fait, une activité, un sujet, un dossier, un comportement, un phénomène. Zoom pour un regard nouveau sur la société. Zoom. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour notre Lakayou à l'émission Zoom. Soubjoumou, qui symbolisait liberté, l'union, l'anti-esclavagisme, c'est une tradition qu'il a depuis 1804. Coutume ça, la suivre depuis sous clair et heureuse. Et c'est une raison qui fait tradition ça, la continuer respecter comme patrimoine mondial d'après l'UNESCO. Dans cas ça, association Libéré Kéo, qui c'est une association qui l'a pour aider femmes qui souffrent, a organisé 3e édition yo Combit Soubjoumou dans Pèlerin 4. Une équipe Zoom est sur place en suivre. Novembre, l'armée indigène portait la victoire sous troupe l'armée Napoléon. Ça qui t'apprend obligé blanc français yo quitter colonie. 1er janvier 1804, Coubajou cassé général en chef l'armée Jean-Jacques Dessalines déclaré jeune république là l'indépendance. Pour fêter moment, tout ancien esclavio mangé bois soubjoumou à gogo. Chaque 1er janvier, en pile famille haïtienne préparé sous sa la caillou. Parce que symboliquement, lila pour lui rappeler nous que yon groupe nègnoué te levé campé goumen et qui te boutte ça pour nous. C'est dans ce sens ça, Libéré Kéo, qui se yon estriti social, te organisé dans Pèlerin yon combit sous joumou dans occasion 1er janvier. Dans la 3e édition, si là, en pile jeune, t'es participé pour venir célébrer la fête indépendance là. Libéré Kéo, à travers Combit Soubjoumou, t'es décidé de faire une activité comme ça pour que nous connaissions. C'est vrai qu'il y a un problème dans le pays, c'est vrai que pas de sécurité, mais toutefois, l'important pour que nous comptons, l'important que pour nous vivre, l'important pour nous aimer l'autre, l'important pour nous partager. Et c'est ça la fête aujourd'hui. Moi, pour que chaque monde fin boit sous bio, il y a plein de joyaux, il y a des blagues, il y a bris, il y a animation, une programmation qui est chargée. Et je pense que c'est un honneur que Pacifique a avec aujourd'hui. Là, c'est une initiative pour nous rassembler, Mounio, pour chita parler, ok, surtout encourager le dialogue intergénérationnel. Là. Mais normalement, à travers Libéré, nous venons faire tout dans l'idée pour partager l'amour avec positivité et puis permettre Mounio de commencer nous venir aller avec force. Donc, pas avec faiblesse, pas avec l'idée que de décourager, mais avec une force totale capitale pour être capable de surmonter quelque soit épreuve que nous sommes capables de rencontrer. Nous devons encourager la tradition locale là parce que ce bar est très normal. Si nous souffrons là, tu souffres là. Li bien bon, c'est moi normal, sous moi, li bon pour nous. L'aide nous, li bay quoi plus vitamine. En fait, l'activité est vraiment belle, ou même cap souvle là, bon so, mon courage. Et dans la 4e édition, on a nous, tout à fait normal. Bon bagay, red. Dans la 3e édition, Combit Soubjoumou, je sens vraiment heureux pour moi avec chaque grand monde qui est là. On a parti, alors, on a passé un si bon moment ensemble, fêter ensemble, boire Soubjoumou ensemble. Moi, vraiment content là, après-midi, parce que pour nous capables de célébrer Soubjoumou qui est entré comme un patrimoine immatériel UNESCO. Et Soubjoumou, vraiment bon, nous toutes qui la majorité de nous c'est jeunes, seul ça m'a aimé comme si génération limitée était drogué adulte, parce que c'est comme si c'est celle nous mêmes qui a célébré adulte, tu dois rejoindre nous tous, mais ambiance vraiment bon, nous contents, résultat qui est entre nous on a célébré avec l'autre là, c'est vraiment bon. Ok, est-ce que c'est première participation? Oui, c'est première participation. Vous comptez retourner encore? Oui, je compte l'autre année m'appeler encore.
16 décembre 2021, Soubsa est arrivé classé comme patrimoine mondial UNESCO pour ça lui représenter dans définition liberté. Pour un pile monde qui était présent dans l'occasion, c'était une façon pour y valoriser patrimoine ça qui selon eux-mêmes doit continuer génération en génération. Dans combi de soubjoumou et que moi déplacer venir supporter initiative c'est là parce que moi crois que nous besoin mettre plus projecteur sur ça nous gagner comme patrimoine la caille nous comme ça nous gagner comme valeur la caille nous et là m'a pas bon m'a enjoy bien commencer année parce que moi gagne de monde qui prêt pour valoriser ça nous gagner la caille nous en Haïti tout le monde content que soubjoumou rentre dans patrimoine mondial donc moi souhaite gagner de nouvelles initiatives comme ça qui continue prendre pour de l'autre patrimoine. Jodi a, gen an pil moun sou la tè ki ap fè konesans ak resèt soup si la e apran apresye l. E pou si la ki patisipe nan konbit sa, yo panse ke se yon inisiativ ki an pil lot estrikti nan peyi a ka suiv pou voye tradisyon sa pi loin toujou. Son sentiment de fierté pou 1804. Mwen menm tantou se yon dezolasyon pou kote nou ye jounen jodi a an tanke ayisyen. Nous pensons que nous sommes supposés plus loin que côté nous. Imaginez qu'il y a plus de monde. Non seulement, il n'y a pas de soupe sous plan, mais il y a des vivre dans l'insécurité. Nous faisons soupe environ pour 500 personnes. Il y a 200 personnes là qui apprennent soupe. Et nous distribuons environ 300 bols de soupe. Chanmas, Place Boyer, Place Saint-Pierre, Autoroute de Delma, côté nous connaissons qu'il y a plus de monde, plus de jeunes qui sont dans la rue. Et avec l'association Libéré Kèo, et nous sommes très très contents pour nous là. Et faut nous dire c'est pas seulement ici là sous pas fait Cité Soleil sous pas fait la Gonave sous pas fait au Caille Jérémie tout partout et même dans diaspora tout. Nous souhaitons l'année qui vient pour nous tendre que en France, communauté haïtienne qui vit en France, nous organisons un combat de soubjoumou. Communauté haïtienne qui vit au Canada, qui vit aux États-Unis, qui vit dans plusieurs autres pays, nous organisons un combat de soubjoumou. Puis nous prenons chaque grain haïtien que nous connaissons dans la communauté, puis nous connectons ensemble, pour nous réfléchir, puis nous penser, puis nous manger, puis nous enjoy ensemble. Donc pour nous réfléchir, puis bon Haïti, et puis dans même l'esprit de combat là. Soubjoumouan avec une recette qui bien simple, à qui un goût liberté, c'est à la fois une fierté pour cuisine haïtienne. Et puis, un mouvement qui décrit ZEV Association Libéré Kèo organisé à travers Konbit Soubjoumouan. Chaque qui est soupe, yon haïtien boué, doit faire fierté et puis encourager travail en Konbit pour remercier zansèt yo. Pour qualité, liberté et tradition ça. Bon appétit et puis bonne fête l'indépendance. Dis des faux qui n'ont qu'à moi. Bah il mentit. C'est métier me fait chaque jour. Courtoisie, c'est la richesse la caille moi. Mon amour, moi même toujours. Zoom. Merci à vous-même qui t'avez suivi l'émission Zoom. C'était un plaisir pour nous porter belle image sa yo, la kayo. Restez branchés, reste programmation, n'ap tourné pour un autre rendez-vous Zoom. Découvrir, comprendre et agir pour une société plus pratique. Chaque jour, Télépacifique fait le zoom sur un fait, une activité, un sujet, un dossier, un comportement, un phénomène. Zoom pour un regard nouveau sur la société. Zoom.